Bienvenue à tous, Max 25, ici, dernier de l'année 2013, au Voyage de l'Art, qui est une deuxième participation, puisqu'il y a un peu plus de deux ans, je me rafraîchis la mémoire, deux ans, on avait fait le marché de Noël d'Aix-la-Chapelle, cette fois-ci nous allons à Cologne. Le thème du jour, ce sera Noël. Et ce sera Noël à plus d'un titre. D'abord, petite surprise, enfin je vais expliquer surprise par la suite, nous avons la chance d'avoir pour la société TDS Francy Petit, c'est le dernier qui est arrivé, Company Writers, son assistant qui est arrivé, qui est ici sur la droite. Georges Dantin, l'architecte de Tout est possible, est à gauche. Jean-Paul Rémenin, je reviens vers lui. Patrick Caillot, rédacteur Auto-Info-Center, partie automobile. Daniel Gusto, reporter TV, accompagné de Guy, mais il va prendre la parole deux minutes. Nous avons une nouvelle tête, on en reviendra juste après, Terra Construct, qui sont là. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, comme autre, le vice-consul du Maroc, qui est là, sur ma gauche. Un grand merci de votre présence. Bonjour à tous, bienvenue sur max25.be. Nous avons la chance cette fois-ci d'aller faire une sortie au marché de Noël de Cologne, tout à fait d'actualité, puisque nous sommes à la mi-décembre et le 13 décembre. C'est un vendredi 13 peut-être, mais un vendredi de chance, car nous avons la chance justement d'organiser cette rencontre avec un hôte d'honneur qui est aujourd'hui le vice-consul du Maroc. On va lui passer la parole pour lui demander un peu ce qu'il pense de la première sortie, parce que je pense qu'au niveau d'un cercle d'entreprise en frontière, c'est peut-être une première, et quelles sont ses idées au niveau du partenariat entre la Belgique, évidemment, et le Maroc. Alors, monsieur le vice-consul, très heureux de vous accueillir ici à la Réunion Max 25. Alors, quelle est votre approche par rapport à ce que vous avez vécu aujourd'hui? C'est assez convivial, on est tout à fait d'accord. Quel est votre sentiment? Bon, tout d'abord, je remercie Max 25 de son invitation. Et puis, pour la sortie, rien à dire, c'est super. En ce qui concerne Max 25 et les relations maroco-belge, c'est prometteuse. Et j'espère bien qu'on ira de l'avant ensemble, avec bien sûr le partenariat maroco-belge et le consulat du Maroc et les investisseurs et les entreprises belges ici au niveau de la Wallonie. Ok, c'est parfait. Je sens que c'est relativement bien résumé dans le fait où il faut que vous sachiez également que Max 25 a permis la création d'une chambre de commerce. C'est la commission belge économique belge-marocaine en fait qui se met tout doucement en place, auquel les statuts sont déposés pour début 2014 et qui effectivement le rôle du consulat du Maroc sera évidemment très très important au niveau du développement, je veux dire économique, et surtout au niveau du partenariat d'entreprise là-bas. Alors aujourd'hui sur Max 25, c'est le marché de Noël de Cologne, c'est évidemment avec un quart des entreprises lyonnaises, tout à fait extraordinaire, on est dans un luxe parfait, et auquel je vais passer maintenant la parole à d'autres entrepreneurs pour donner un peu leur témoignage de leur première sortie, parce que nous avons la chance évidemment d'accueillir deux nouvelles têtes, deux nouvelles entreprises au sein du groupe, et ce qui est tout à fait nécessaire. Je vous les présente tout à l'heure, merci. On a le responsable de la société Terra Construct. Je ne peux pas expliquer tous ces produits, je préfère lui laisser la parole. Alors bonjour, bienvenue sur Max 25, ici à Cologne, c'est le marché de Noël, c'est un peu festif. C'est vrai que c'est la convivialité, alors quel est votre sentiment? Quelle est votre entreprise? Quel est votre rôle? Alors merci d'abord pour l'invitation, parce qu'on a vraiment passé déjà un super bon moment et je pense que ça va encore continuer jusqu'au retour. Terra Construct est une jeune société qui propose entre autres des constructions de maisons passives en bois. Lamellé, collé, croisé, c'est technique, mais voilà. L'avantage c'est que ça se construit très très vite et à des prix bien moindres que des maisons normales. Nous sommes super contents d'avoir rencontré déjà ici des clients potentiels et surtout des connaissances, et déjà d'avoir familiarisé avec eux, ça c'est super important. Terra Construct aussi propose un autre produit qui est des chauffages infrarouges pour ces maisons passives, mais aussi pour des solutions dans toutes maisons possibles. Alors les maisons passives, c'est bien, c'est même un sujet d'actualité. Maintenant, quel est votre secteur, quel est votre marché en fait? Est-ce que vous avez un marché au niveau frontière ou hors frontière? Vous avez des possibilités en-delà des frontières belges? Alors il y a deux choses, la Belgique bien sûr, ce sont des produits qui viennent d'Allemagne. Mais l'idée aussi, et grâce à vous aujourd'hui, on a pu rencontrer le vice-consul du Maroc, parce que l'idée c'est aussi de proposer ces produits-là ailleurs, dans des pays qui sont proches de l'équateur, où il fait quand même très froid en hiver, mais relativement chaud en été. Donc les maisons passives, évidemment pour elles, c'est une des solutions miracles pour ces pays-là.
Donc en fait, on se rend compte en fait que, pour me répéter, c'est que c'est quand même pas mal de coïncidences en fait au niveau des réunions Max 25 qui se diversifient au niveau de ces entreprises, au niveau de ces lieux, au niveau des régions évidemment qui commencent tout doucement à s'étendre. De là à ce que Max 25 passe toutes les frontières, on n'y est pas encore. Mais il est clair que voilà, par exemple, une belle opportunité entre cette société Terra Construct et par exemple le pays du Maroc. Mais je vous expliquerai le développement de ce partenariat. Je vais passer à une autre entreprise qui est de la région de Namur, qui est une entreprise dans le nettoyage véhicule. C'est vraiment très localisé et pourtant c'est relativement dynamique, relativement c'est faible. Je vais vous passer la parole à l'administrateur délégué. Maintenant, on va changer de sujet, on va être dans le nettoyage de véhicules. C'est encore un secteur tout à fait particulier. Je pense que c'est même actuellement un secteur régional pour le responsable de la société. Donc comme EWASH, c'est quel secteur, c'est quel produit, c'est combien d'entreprises, c'est combien de voitures nettoyées, combien de camionnettes, est-ce qu'il y a des camions? Explication. Tout à fait. En fait, comme EWASH, c'est une société qui existe depuis 2008, qui emploie 3 personnes. Nous faisons grosso modo 500 véhicules par mois. C'est à peu près 700 clients. Ils ne viennent pas naturellement tous les jours, mais heureusement d'ailleurs. Et voilà. La région de Comewash, c'est ? Essentiellement sur la région de Namur. Quand on dit essentiellement, il y a une étendue possible ou il y a une pointe qui se fait quelque part en Wallonie ? Il y avait un projet, il y a toujours un projet d'extension par rapport à un réseau de franchisés. Donc voilà, c'est toujours en cours. Il est clair que j'ai aussi des demandes sur la région de Charleroi, sur la région de Mons, sur la région de Liège, sur le Brabant, mais voilà, les distances font qu'il n'est pas rentable ni pour la société ni pour les clients de faire appel à nous, je dirais dans un premier temps, au départ du siège d'exploitation. Voilà. Alors, d'après votre expérience, puisqu'on sait également que vous occupez d'un cercle d'entreprise qui est basé à Namur et qui se définit par C'est le GREPAN, le groupement des entreprises du parc Nanine et National 4. On a adjoint depuis l'année dernière la National 4. Et ça représente grosso modo 200 entreprises. Est-ce qu'on peut penser que des groupes d'entreprises comme le vôtre soient également à moyenne mesure des fonds de commerce ? Je pense. Le but en fait au départ, c'est faire en sorte que les gens apprennent à se connaître. Parce que parfois on va chercher très très loin des choses qui se trouvent à proximité, qui font le tour, je dirais, de l'Europe, alors que finalement c'est peut-être chez son voisin que ça provient. Donc voilà, le but c'était de créer des synergies, des rencontres au point principal et faire en sorte que les gens apprennent à se connaître et dégager peut-être sur des affaires par la suite, mais voilà. Alors votre expérience pour aujourd'hui ? C'était magnifique, c'était très convivial, j'ai vraiment partagé d'excellents moments. Surtout avec M. Christian Quineau aujourd'hui, ce que j'apprécie beaucoup, il le sait bien. Et avec, c'était très 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 bien, avec des gens que je connaissais pas. J'en avais quelques-uns que je connaissais, parce que ça fait plus ou moins à peu près 2 ans que je suis dans le groupement Mac 25, mais là, c'était très très bien. Eh bien voilà, un grand merci. On va commencer tout doucement le retour sur la Belgique et sur Barchon, puisque c'est le siège des Voyages Lyonnais qui est le partenaire de Max 25 à travers toutes ces incentives, qu'elles soient en Belgique ou qu'elles soient évidemment maintenant hors frontières, comme ça a été le cas dernièrement avec le pays qui est le Maroc, qui est pour nous le pays au niveau de la porte ouverte sur l'exportation. Il est clair que maintenant on se rend compte que les pays des PME maintenant sont appelés à travailler un peu en extérieur. Donc voilà les possibilités qui s'ouvrent à nous. On en reviendra sur un portage supplémentaire. Et concernant la sortie du jour, vous allez sur www.max25.be pour retrouver les photos. Mais je n'ai pas terminé la dernière question. Le site internet de Comewash, c'est Tout simplement www.comelwash. Je dirais le L fait séparation. Dû à l'historique, au départ, le site s'appelait. Enfin, la société s'appelait Comelwash. Et puis, bon, on est passé en SPRL et on a changé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, bref, on a conservé Comelwash parce que c'est resté quand même dans la tête des gens. Donc, c'est comelwash.be. Voilà, vous avez toutes les infos. À une prochaine. Un grand merci.